Le reflux du nourrisson, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler du reflux chez le nourrisson, vomissement. Alors spécifiquement, ce n'est pas du tout un reflux, mais dans la clinique et pour les parents, ça peut ressembler et c'est difficile de discerner la différence de l'un à l'autre. Alors c'est assez simple. La différence fondamentale entre un reflux ou une régurgitation et un vomissement, c'est que le vomissement va être associé à un spasme du diaphragme, une contraction des abdominaux. Le reflux est très involontaire, ça ressort comme si on n'y prêtait pas cas, alors que le vomissement, il y a vraiment un mouvement de spasme associé. Dans ces cas-là, il est intéressant de directement aller consulter son pédiatre ou d'aller aux urgences. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.